Eh bien salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. En Nouvelle-Calédonie pour cette saison 5, je suis actuellement au Bois Sud car aujourd'hui je vais visiter le parc de la Rivière Bleue. Ce parc vous pouvez visiter donc en une journée. Le Bois Sud c'est un excellent plan car vous allez payer une poignée d'euros pour avoir finalement un paysage plutôt agréable. Alors il y a douche froide, il n'y a pas le courant, mais par contre au niveau de la nature c'est un vrai paradis. Allez, je t'emmène avec moi à la Rivière Bleue. Alors l'entrée du parc est à 400 francs et si vous souhaitez vous déplacer en navette, car ça se fait comme ça ici, vous devez payer aussi 400 francs en plus par personne. Vous pouvez aussi vous déplacer par vélo, ça va vous coûter environ 3000 francs. Après il y a des horaires, c'est vachement bien fait, on vous donne une carte. Allez, c'est parti pour la petite visite. C'est la deuxième fois que je viens dans ce parc. Si je vais résumer, c'est un mélange d'Australie et Nouvelle-Zélande. Tout simplement parce que tu as la terre rouge sur le sol et tu as un paysage totalement lunaire, un peu à l'image de la Nouvelle-Zélande. Rien fini. C'est vraiment un rendu exceptionnel, surtout que c'est à peine à une heure de Nouméa, quoi. Alors l'énorme avantage du parc de la Rivière Bleue, c'est que c'est le paradis pour le pique-nique, les amis. Bon allez, il est temps de pique-niquer au milieu de la forêt, au milieu de cette végétation absolument incroyable. Et d'être surtout seul au monde, et ça c'est unique en Calédonie, il n'y a pas de touristes. Si tu n'aimes pas les touristes, c'est ici qu'il faut que tu viennes. À l'intérieur du parc, vous avez plusieurs micro-randonnées d'une heure, donc je vous conseille d'arriver tôt le matin. L'objectif dans ce parc, c'est de s'y baigner. Et ben, tu sais quoi, je vais aller me rafraîchir un petit coup. Bon, t'es sûrement derrière ton ordinateur et t'as peut-être envie de te rafraîchir. Mais moi, je te garantis, après une bonne randonnée, une petite baignade à la Rivière Bleue, c'est juste un petit paradis. Et comme tu peux le voir, c'est pareil. Et comme tu peux le voir, c'est blindé de touristes. Franchement, j'en peux plus des touristes en Calédonie. J'ai dû en croiser 3 en 3 heures là. Alors si vous allez en Nouvelle-Calédonie, bien sûr, le kagou, c'est un peu comme le kiwi en Nouvelle-Zélande. C'est l'oiseau emblématique de la Calédonie. Alors sa particularité, vu qu'il n'a pas de prédateur, c'est qu'il ne sait pas voler. Donc ça, c'est un concept assez incroyable. Donc ça, c'est assez étonnant. Et du coup, on va chercher les kagous ensemble. Allez, on va à la recherche d'un kagou avec le conducteur du camion. Ça les attire? À la recherche des kagous. Regardez, incroyable. C'est un scénario extrême. Ça calme 6 heures. Ah, il y a quelque chose.